Eh bien, vous le voyez, on revient de ce sujet, superbe sujet, je vais dire, où on s'est vraiment fait casser les bras par ces gros poissons, les lieux, les morues, où on s'est vraiment régalé tous ensemble. Et là, comme ils annonçaient du vent, on est venu se mettre à l'abri derrière ces îles. Ces îles, vous avez vu, c'est un décor paradisiaque pour cette nouvelle partie de pêche. En naviguant, on a pu apercevoir des dizaines et des dizaines d'oiseaux, dont un, dont j'ai toujours rêvé, moi, voir le bout du bec orange, c'est le macareux, bien sûr. Et là, dans mon carnet, sur la petite case, c'est coché, macareux. C'est fait pour moi, j'en rêvais, et c'est ici que ça s'est réalisé, je suis super heureux. Alors, sur ces îles aussi, il y a une petite particularité, c'est qu'on peut apercevoir des moutons qui vivent là toute l'année, y compris l'hiver. Je me demande comment ils tiennent, parce qu'on imagine qu'en hiver, ça doit quand même faire très froid, d'ailleurs de la neige partout. Et moi, franchement, je suis admiratif face à l'adaptation des animaux par rapport à une nature, même si elle est très hostile. Alors, notre guide Hendrik nous a indiqué une zone où on pouvait pêcher quel poisson, Benoît ? Alors ici, on peut pêcher des poissons plats, notamment des carrelés, hein, qu'on peut rencontrer dans le nord de la France, et des limandes aussi. Voilà, et bien voilà, Benoît, qui est un spécialiste de cette technique, va nous expliquer ces montages, les montages traditionnels d'abord qu'on peut trouver ici dans les magasins locaux et les montages que tu as préparés pour nous. C'est pour ça. Ce sujet. Oui, tout à fait. Ici, on va essentiellement trouver des carrelés et des limandes, hein, qui sont des poissons plats bien connus en France. Mais la particularité de cette zone, c'est qu'on peut faire des poissons de grande taille et on peut faire des carrelés qui sont vraiment magnifiques, jusqu'à 2 kg. C'est ce qu'on va essayer de rechercher aujourd'hui, autant parce que c'est un poisson magnifique, que pour le repas qui nous attend ce soir auprès du chef. Oui, vous avez vu, tout au long du séjour, le chef nous accompagne, on en profite, on prélève un, deux poissons par jour qu'on déguste tous les soirs, et pour notre plus grand bonheur. Tout à fait, c'est vraiment un poisson excellent. Eh bien écoute, explique-nous tout ça pour qu'on aille justement en capturer quelques-uns. Eh bien on va attaquer. Alors, les poissons plats, en règle générale, il faut les pêcher avec des montages qui sont assez visibles. C'est des poissons qui sont très curieux. Alors, ce qu'on a fait, nous, tout simplement, c'est que sur notre camp, il y a une petite boutique, un petit shop. On a été acheter les montages qui sont utilisés régulièrement ici par les pêcheurs. Alors, vraiment, qui sont des montages grossiers. Là, comme vous pouvez le voir, vous avez un espèce de plomb cuillère qui va nous permettre de lester la ligne. Et après, c'est un montage que je vais vous montrer. Je vais le sortir rapidement, qui est un montage traînard, d'accord, avec deux gros hameçons à berdine. Et là, on n'est pas dans la finesse, hein, vraiment, on va aller chercher la résistance et le côté visuel. Vous voyez que le fil est carrément recouvert de gaines. Alors en France, on peut se dire non, on va pas utiliser ça, on a l'habitude de pêcher en finesse, mais là vraiment c'est le côté visuel qui va faire la différence. Là on a un plomb de 100 grammes cuillère, ça c'est pour vraiment le côté attractif quand ça va traîner sur le fond. On va voir ça tout à l'heure dans l'action de pêche. Et juste au-dessus, voilà, une petite empile. Voilà, on est vraiment sur un montage à deux hameçons. D'accord. Voilà. Alors ça c'est vraiment le montage traditionnel. Et après, dans un second temps, alors moi j'ai ramené pour l'occasion un montage que j'utilise dans le nord. Voilà, le montage que j'ai utilisé notamment à Dunkerque, ou que je peux utiliser à Boulogne ou dans toutes les zones du nord de la France. Donc c'est un montage clipo traditionnel que je fais pour les compétitions. Il n'y a vraiment rien de spécial. On va essayer de déplier ça. Toc, voilà. Voilà, donc c'est vraiment un montage 3 clipos, un peu plus discret pour le coup. Ah ben, carrément, voilà, il y a quand même des petites perles juste devant les hameçons, des hameçons à berdine numéro 4. Très joli. On va pas tarder à équiper de nos crevettes. Voilà. C'est très joli. Donc on va pouvoir faire le comparatif. Hein. Bon, l'intérêt du montage clipo, c'est que déjà c'est un montage qui est coulant, puisque le poids du clipo fait que le montage va être en permanence collé au fond. Voilà, on cherche des poissons plats, donc c'est vraiment l'objectif. Et puis en plus, c'est un montage qui est plutôt long, donc qui va permettre de prospecter une zone plutôt large, d'environ 2 mètres. Et puis on voit que c'est un montage aussi très simple. Hein. Les empiles, là, ça s'en mêle pas. C'est vraiment dans les basiques. Tu peux faire des doublés avec ce montage, hein, sans problème ? Voilà, donc il y a trois hameçons. L'objectif, c'est ça. Hein, c'est que à la première touche, on va essayer d'attendre un peu, de laisser le poisson manger. Et en général, c'est un petit peu la compétition alimentaire. Quand il y a un premier poisson qui mange,
eh ben, les seconds, le second ou ceux qui sont autour voient qu'il se passe quelque chose, ils vont se rapprocher de la ligne. Donc on va attendre un peu et on va espérer en faire deux ou trois sur la même ligne. Ah super. On verra ça tout à l'heure. Oui, là en fait tu as mis plusieurs solutions sur ton montage. Ouais, tout à fait. Ben là j'ai mis un petit teaser hein, qui est brillant, qui va vraiment attirer le poisson. Ça ressemble à une petite larve. Et puis à l'accoutumée, hein, sur toutes mes avançons, j'ai tendance à mettre des petites palettes qui vont évoluer en tournoyant dans le courant. Ça va ça, en plus du mouvement et du côté visuel, voilà, ça va vraiment attirer le poisson sur l'hameçon et directement sur l'appât. D'accord. Voilà, on varie les couleurs. Hein. C'est vrai que en règle générale, on dit que le noir et le vert sont de très bonnes couleurs pour attirer l'appli, que le jaune et le orange sont de très bonnes couleurs pour attirer la limande. Voilà, il faut essayer, il faut y croire. D'accord. En tout cas, là, il y a de toutes les couleurs. Et ben, on espère que ça va fonctionner. Comment on esque et qu'est-ce qu'on esque au bout Alors, de nos lignes pour la pêche C'est vrai qu'habituellement, en France, on utilise essentiellement des vers pour pêcher les poissons plats, et notamment l'arénicole ou le ver tube. Ici en Norvège, ce qui est utilisé par les pêcheurs locaux et recommandé par les guides, c'est d'utiliser des crevettes. Donc là, on ne s'est vraiment pas embêté. On a un shop qui est à côté du camp. On a été acheter des crevettes. Donc là, je vais en sortir une, hein, tout simplement. On voit que c'est des crevettes qui sont en sachet, sans les têtes. On va faire quelque chose de très simple. Là, on va enlever les trois premières carapaces. Voilà. On va jeter ça. Après, on sort la queue, donc la crevette arrive en un seul morceau. Et ce qu'on va faire, c'est que ici on va faire tout simple. On va couper la crevette en deux morceaux. On va pas rentrer dans du détail élasticage ou autre. On va simplement prendre le premier morceau de la queue qu'on va piquer une fois, faire ressortir, puis repiquer une deuxième fois. Voilà, donc ça va nous faire un premier morceau avec l'hameçon qui est bien sortant pour piquer le poisson du mieux possible. Et puis l'autre morceau qui est un peu plus épais, eh ben on va l'utiliser pour le côté attractif et pour essayer de viser un gros poisson. On va le piquer tout simplement de la même façon deux fois et on va attaquer avec ça. C'est vrai que c'est surprenant, mais les guides nous ont assuré que c'était la solution, que c'était un très bon appât pour pêcher les carrelés et les limandes. Donc on va essayer ça. Allez, c'est parti. Le guide a l'air super confiant. Il nous a même confié que c'était une de ses pêches préférées quand il y avait du vent, il s'éclatait avec ses clients ici. Montage traditionnel, les hameçons sont quand même vachement plus... Ouais, alors là, c'est vrai que c'est mauve, c'est vrai, hein. C'est vrai que c'est gros, hein, ça peut faire peur. Ça, c'est l'équivalent d'un aberdeen en numéro 1. C'est gros, mais bon, voilà, les poissons sont de belle taille, a priori, et c'est vraiment un poisson vorace. Donc, à mon avis, ouais, Elles vont en faire qu'une seule bouchée de ces gros morceaux de crevettes. C'est certain. Alors moi j'ai ce plomb traditionnel, et toi qu'est-ce que tu utilises pour faire couler ton montage? Ouais, alors toi c'est vrai que tu as un gros plomb qui ressemble à une palette, qui pèse 100 grammes. Donc ça au niveau visuel, ça va être super, je pense que c'est très attractif pour le poisson. Moi sur mon montage, j'ai utilisé tout simplement un petit plomb d'Arlesé hein, qu'on utilise traditionnellement en pêche à soutenir. Puis je vais essayer de le faire évoluer dans le courant en grattant un petit peu le fond pour attirer le poisson le plus rapidement possible. Mais écoute, on va voir lequel des deux fonctionne le mieux. C'est parti. Du traditionnel ou du moderne. Alors là, ce qu'il faut préciser, c'est que le bateau est ancré. Tout à l'heure, on a essayé de pêcher à la dérive. Et c'est vrai que les rafales sont très fortes et que les dérives étaient trop rapides. On dérivait à 0,8 nœuds, 1 nœud. Ouais, ça allait vite. Hein. C'était un peu compliqué pour pêcher ces poissons plats. Donc là, on a ancré le bateau. Donc pour le coup, la dérive est nulle. Le bateau chasse comme ça un petit peu de droite à gauche. C'est pas grave. On va essayer quand même d'animer un petit peu nos lignes pour faire venir les poissons plats. Et puis si on ne les trouve pas sous le bateau, eh ben on va lancer un petit peu plus loin. Puis on va vraiment essayer de les pêcher à gratter pour les faire venir à nos hameçons. Voilà. Alors l'idée, c'est de soulever, de reposer ou d'essayer de le faire sautiller au fond? D'essayer de le faire sautiller. Alors là, on a essayé directement sous le bateau. Je pense qu'il faut qu'on prenne un petit peu notre mal en patience. On va voir s'il y a du poisson actif directement sous le bateau. Toujours attendre un peu que les effluves fassent leur travail, que le poisson ait le temps d'arriver aux appâts. D'accord, c'est un poisson qui a une très bonne odorat. Voilà, c'est un poisson qui adore les appâts qui sont très attractifs, très olfactifs. D'accord. Donc on va laisser le poisson venir tranquillement. Si on n'a pas de touche, eh ben, ça veut dire que le poisson n'est pas vraiment à proximité. On va essayer d'aller chercher un petit peu plus loin.
D'accord, en lançant et en grattant le fond. Exactement, exactement, en lançant et en grattant, en pêchant à la, vraiment à la tirette, hein, c'est de la pêche à gratter. Oh, ouais, d'accord. On va gratter sur le fond, là on est sur des fonds de sable, sable gravière, et le fait de tirer le plomb, ça va décoller des particules du fond, ça va faire du bruit, et le poisson va se rapprocher mécaniquement du montage et des appâts. Très bien, j'ai compris. Donc là, on est dans 20 mètres de profondeur. On s'est positionné, on a jeté l'ancre sur une barrière rocheuse qui est à 17 mètres, pas loin de la côte, pas loin du petit îlot qui est derrière nous. Et juste derrière ce tombant rocheux, eh ben, on est vraiment sur du sable, sur de la gravière. Donc on s'est positionné juste derrière, en espérant que le poisson soit positionné entre la roche et le sable. Au niveau de la touche, à quel moment il va falloir que je fasse? Ça, c'est toujours pareil, c'est au bon feeling du pêcheur, on va dire. Moi, ce que j'aurais tendance à te dire, c'est qu'un poisson plat, bah, il faut le laisser un petit peu manger. Parce que tu as vu, en plus, tu as des gros hameçons. Donc, si tu ferres à la touche, tu as plus de chances de lui ôter l'appât de la bouche que de bien le ferrer. Donc, bien laisser manger. À la limite, quand tu sens la première pitée, ouvre ton pick-up. Laisse-le manger dans le mou, qu'il ne sente rien, qu'il soit complètement tranquille. Et puis, au bout de quelques secondes, une dizaine, voire une trentaine de secondes, tu reprends contact tranquillement et tu vas voir que le poisson, là, il a mangé tranquillement et qu'il a engamé. Et le côté positif de ça, c'est que potentiellement, comme tu temporises un peu, tu peux en faire venir un deuxième ou un troisième si tu as trois hameçons. Donc, ça permet de doubler ou de tripler la mise et c'est d'autant plus rigolo. Hop, tiens, regarde, je crois que j'ai une touche. Tu as vu? Ouais. Relâche, voilà. Tiens encore, hein? Voilà, laisse encore un peu. Ouais, je laisse encore un petit peu. Voilà, tu relâches. Tu vois que là, en plus, le bateau est en train d'aller contre la dérive, donc ça te tend la ligne. Donc voilà, reprends un peu contact. Elle y est là. Ouais, ça, là, tu vois, je pense qu'elle est piquée ou en train de manger. Ouais. Hop, elle y est au bout. Yes! Oh, ça a l'air joli. Ouais, super. Ah, ça a l'air... Oh. Ouais, beau poisson. Dis donc, je m'attendais pas à un combat comme ça. Hey, le poisson plat, c'est vraiment un poisson qui bataille. Oh, incroyable. Je m'attendais vraiment pas à un combat comme ça, dit. Je pensais un truc mou au bout. Tu vois? Pas du tout, pas du tout. Ah, pas du tout, incroyable. Le carré, c'est un poisson qui combat bien. Incroyable. Qui a de la puissance. Ah, c'est rigolo, dis donc. Alors, attends. Je vais voir ça. Ouais, elle est magnifique. Oh, je m'attendais pas du tout à un combat comme ça. Ouais. Yes papa, ça yes, c'est papa. Beau ça. Regardez bon, ce ça. Poisson, regardez ce poisson. Une case de plus de cocher les enfants. C'est un poisson que je n'avais encore jamais capturé. Décidément, moi sur ce voyage j'en coche des cases. Hein. Yes. Ça c'est fait. Alors le montage traditionnel, hein, il est... Oh, oh. Et ben voilà. Pendant que les tu deux me pars... montages, hein, les deux montages font leur preuve. Hein. Je te laisse pas le temps de parler Yannick, je suis désolé. Mais vas-y. Hein. Les deux montages font leur preuve, c'est vraiment très 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 sympa. Elle a l'air plus petite celle-ci. Ah, alors ça, C'est une autre espèce, ça. C'est une limande. Oh, génial. Hop, attention. Oh, pardon. On s'est pris là, hop, c'est rien. Bon. Alors ça, c'est une limande. Ah, mais tiens, on va pouvoir voir la différence. Ça. Superbe. Ah ouais, c'est beaucoup plus clair. Ah, on voit qu'elle est beaucoup plus claire, que les taches oranges sont moins marquées. Et ça, par contre, c'est vraiment une belle limande. Ah ouais. Ouais, je pense que c'est un poisson qui pèse, 500 grammes, et pour l'espèce, c'est déjà un joli poisson. C'est vraiment super beau poisson et c'est super bon aussi. Ah ben voilà, là on a le panel vraiment des poissons plats qu'on peut pêcher ici à Rost. On se régale et c'est un plaisir pour les yeux. On en prend plein les mirettes. Vraiment, c'est vraiment ce que j'allais dire, c'est cette impression de magie quoi. Ben c'est ça. Hein, c'est incroyable. C'est un endroit où il y a une multitude d'espèces. Et ça... c'est un peu à l'image des poissons d'ici, c'est le royaume du poisson plat quoi. Allez, on replonge. C'est parti, on est reparti. Allez, c'est reparti. C'est vraiment rigolo quoi, qu'on me pêche en plus. Hein, c'est vraiment une pêche, c'est ludique quoi. Bah, dans l'absolu, c'est pas compliqué. Là, on est à l'ancre. On pêche vraiment à soutenir, quasiment sous le bateau. Et puis, on laisse le poisson venir à nous. Puis, on va en garder une paire pour ce soir, pour se régaler. Ça c'est sûr que c'est un poisson là, on a livrément... excellent à manger. Moi j'ai passé pas mal de temps en Angleterre étant plus jeune et je me rappelle qu'on me disait en France que ce poisson là, c'était pas très bon à manger.
En Angleterre, ils n'ont pas du tout la même réflexion. Ils ont la culture de manger ce poisson plat. Et au contraire, c'est un poisson vraiment trophée. Quand ils pêchent une plie, je dirais pas que c'est comme un turbo, mais quasiment, quoi. Ah ouais, c'est vraiment un poisson qu'ils adorent manger. Ah, bah, je crois que... T'as une touche, hein ? J'ai cru, m'a semblé. On va voir si ça repart. Alors, quelquefois, quand le bateau chasse comme ça, c'est vrai que... Hop, tiens. Alors, ça peut être le... Ouais, alors, hop, ça, c'est une touche. C'est une touche, hein. Voilà, donc là, j'ai cru que c'était le plomb qui frottait au fond. Mais hop, on va éteindre ça. Mais non, c'était bien une touche. Donc là, je laisse complètement détendu, hein. Je laisse le poisson manger. Si c'est bien un poisson... Il va pas partir, au contraire, il va prendre son temps pour manger la crevette. Ah oui, tu attends vraiment longtemps, quoi. Ouais, bah là ça suit pas, tu vois, j'ai pas de suivi, donc je laisse faire. Hein. S'il y a du poisson autour, il va revenir. En tout cas, ouais, là, merci notre guide. Hein. Ouais, merci Henrik, vraiment, parce que... On se régale, voilà, le poisson hop, est là. Oh oui, là il y hop. Est. Hop, allez, voilà. C'est pendu, papayou. J'aurais pu attendre encore un peu, mais là c'est vrai que je me suis fait un peu surprendre, la touche a été forte. C'est là, oui. Donc on y va, tranquille. Mais c'est incroyable le combat de ce poisson. C'est un beau poisson. C'est un beau poisson, et en fait la touche était petite parce que j'avais pas mal de bannières avec le mouvement du bateau. Et dès qu'on reprend contact, et ben là on sent la lourdeur du poisson. Et on se dit que en fait c'est pas si petit que ça. Et, ah, ouais. On la voit arriver, ouais. Regarde, elle est jolie. En effet, ouais, elle est belle. C'est une plie qui a des couleurs. Il y a des couleurs magnifiques. Superbe. Hop, et ben voilà. Elle était juste piquée. Belle relâche, bravo. On l'aura pas vu celle-ci. C'est pas grave. Voilà, elle était prise sur l'hameçon du bas. Et ben peut-être qu'elle a pas assez mangé. Pourtant, tu as laissé un moment. Hein. Ouais, j'ai laissé un moment, mais bon, voilà, elle s'est mal piquée. Pourtant, c'est un hameçon de 4 à Berdine, tu vois, c'est pas un très gros hameçon. Ouais, et tu vois, on voit que là, ben, la pointe est complètement cachée dans la crevette. Mm-hmm. Elle devait juste avoir gobé la crevette et elle s'est pas piquée. Ah, d'accord, c'est ça. Donc là, c'est à moi de mieux attacher ma crevette la prochaine fois et de bien la faire ressortir. Donc je vais changer de morceau, hein. C'est pas grave, on va en refaire d'autres. Alors, là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut essayer de les exciter un peu, les poissons. Essaie de lancer un petit peu, tu vois, à 10 mètres du bateau, et tu ramènes tout doucement. Et là, en grattant le fond, vraiment, c'est vraiment de la pêche à la tirette. Ça va les faire venir. Eh ben, je vais t'écouter, je vais lancer. Et puis, ça nous permet de prospecter un petit peu, tu vois, autour. Si le poisson est localisé, si on arrive à le trouver, ben on va pêcher après tous les deux sur la même zone. C'est ça. Et on en fera plus rapidement. Ah, c'est un poisson qui est vraiment territorial. C'est un poisson, non, c'est un poisson qui bouge, hein, au gré des marées, au gré du courant. C'est pas un poisson très sédentaire. Hein. C'est un poisson qui évolue partout sur les gravières, sur les couches d'eau et qui avance au rythme de la rencontre de la nourriture, on va dire. Donc, on peut aussi bien. Alors, les plis, sur certaines zones du nord de l'Europe, notamment en Angleterre, ils les pêchent énormément sur les fonds de gravières, et sur les moulières. Alors il y a des fonds qui sont tapis de moules et c'est là qu'on trouve vraiment les très gros spécimens. Donc là-bas, ils les pêchent au vert aussi. Et ici, c'est un peu différent. C'est vraiment du sable. Et les poissons plats sont positionnés sur le sable. C'est même pas de la vase, hein, parce que là, on sent que ça colle pas. Ça colle pas quand le plomb tombe. Ça gratte, quoi. D'accord. Alors, donc là, a priori, c'est plutôt de la gravière ou plutôt du sable. Tiens, touche, regarde. Allez. Hop, je lâche. Vas-y, alors lâche un peu, relâche un peu, laisse le poisson manger. Ah ouais, moi aussi ça pique là, tu vois. Ah ouais. Je vais relâcher aussi. Allez, on va être fou, on va essayer de se faire un doublé. Ouais, un doublé, toi, c'est bon, là, toi c'est dessus. Hein. Va voir. On va pouvoir. Hop, oui, je l'ai. Ah, ça c'est sympa. Ouais, pareil. Toi aussi? Ah, ouais. Mais tiens, regarde. Wow. Alors, il y a les flétans en Norvège, mais il y a aussi... Les poissons Check. Plats, oh. Les plis. Alors, qu'est-ce que nous a fait? Ah, si, voilà, ça en est une aussi, regarde. Ouais, superbe. Beau carrelé aussi. Superbe. Allez, on va espérer que ça en soit une aussi. Hop. Yes. Waouh, ça c'est cool. Alors, joli carrelé. Waouh, c'est beau. Hein. Et là, il y a deux carrelés. Voilà. Oh là là, elle a doublé. Deux carrelés. Oh, alors, ça c'est cool. Ça. Bravo. Voilà. Waouh. Waouh. Superbe. Génial. Voilà. Regardez ça. Ça, c'est des beaux poissons, c'est magnifique. Ah, et puis c'est superbe. Ils ont des couleurs.
Hein, ils ont des couleurs. Ça, c'est bien caractéristique. Les points orange fluo là du carrelet. Ce poisson qui est quand même un poisson vraiment mythique d'ici, hein, finalement. Ah oui, tout à fait. Parce que c'est vrai que quand les conditions sont difficiles comme aujourd'hui, eh ben on se retrouve à terre et puis on se régale à pêcher ces beaux poissons qui sont aussi agréables qu'à pêcher qu'à manger. Oui, tout à fait. Mais voilà. De toute façon, je pense que ceux-là, on va les conserver pour les consommer ce soir. Ouais. Et puis après, on relâchera les autres si on en capture d'autres. Mais j'ai pas de doute là-dessus. Pas de problème, ils sont magnifiques. Alors on les décroche. Allez. On les met dans le bac. Allez. Et on recoule des crevettes de suite. Et c'est parti, et on enchaîne. Superbe. Waouh, quel pied, hein. C'est vraiment top, on se régale. Ouais. Je pensais même pas qu'il y en aurait autant, tu vois. C'est vrai que les années précédentes, il y en avait beaucoup. Mais là, c'est à chaque descente, on fait un beau poisson. Chaque descente, un beau poisson. Chaque descente, un beau poisson. Allez, bon, je recoule, hein, en attendant. Allez, vas-y, parce que t'as deux poissons de retard, il me semble. Ouais, ton montage, là, ça, c'est efficace, quand même. Ouais, bah, c'est pas mal, hein. Mais après, t'as vu, tout marche. Hein. Ouais, mais c'est plus fin, quand même. C'est plus... Je te dis pas la châtaigne que je viens de prendre. Allez. Je lâche. Touche. Tiens, hop, pendu encore. Allez, ça s'enchaîne. Ben là, quand on les a trouvés, quoi. Hein, c'est ça. Voilà, on est au bon endroit. Ah. Au bon moment. Ouais, regarde. Superbe. Allez, c'est pas un gros c'est poisson, pas un gros mais poisson, ouais. C'est un poisson qui fait c'est plaisir. Bon. Voilà, yes. Et puis, j'ai pris le premier, je recolle au score. Hein, tu vois, tu veux me chambrer. T'en as encore un de retard. Tu veux me chambrer, mais quand même. T'en as encore un de retard. Comment ça, j'en ai un de retard? Ouais, pas ouais. Du tout. Ouais. Pas du tout, on est à égalité. En plus, j'ai pris le premier, celui-là, tu pourras pas le refaire. Ouais, puisque c'est bon moi qui l'ai capturé. Mais pas en mathématiques, toi, visiblement. Si, c'est ouais. Les maths appliquées de l'ordre, mon ami. Ouais, maths spé, ouais. C'est ça. Allez, je le relâche vite. Hein. Juste piqué en bord. Ouais, de gueule. Et puis il est pas très gros, donc si on en capture des plus gros que ça, on les conservera c'est ça. Pour tu le voir repas. Ça, elle va repartir. Oh, regarde, c'est pas un coup de dent, là, qu'il aurait reçu. Eh, c'est possible. Ouais, t'as c'est vu possible. Allez, ben écoute, va te faire elle va repartir comme une fusée encore, c'est sûr. Hop là, c'est reparti. Yes. Ça c'est trop cool. Hein. C'est vraiment trop chouette. Une pêche super fandard. Tiens, pareil. Ah ouais. Et toi t'as une touche. Pareil, une touche. C'est vrai qu'il y a des belles morues qui traînent. Tu peux faire des poissons jusqu'à 10 kg ici en pêchant le poisson plat sans aucun problème. Ah ouais, problème. Quand même. Eh oui. Ça peut arriver. Et c'est pas exclu qu'on fasse un beau poisson de ce type-là là, dans l'heure qui suit. Hein. Ah ouais, c'est marrant ça. Non, mais ça s'est arrêté. On va vraiment faire, comme on a dit, on pêche dans le mou, on laisse manger. Ah, un peu plus mou. C'est comme ça que je les prends. Ah, juste un petit peu plus mou. Je me suis fait conseil, Yannick. Je sais que t'es un féru dans la pêche à soutenir. Écoute, moi, je vais écouter le maître. Hein. Je vais écouter le maître, il est à côté de moi. Vas-y. Non, plus mou. Hop, voilà, là, il y est. Allez, c'est parti. Et allez. Allez, elle y est celle-ci. C'est joli encore. Hein. C'est pas vilain. Mais elles ont une belle défense. Quoi. C'est surtout ça, moi, qui me surprend. Ouais, c'est vraiment pas vilain. Celle-ci, elle est jolie. Ouais, elle est tranquille. Qu'on puisse la voir. Puis alors là, comme c'est vrai qu'il y a pas mal de jus. Ouais, elles font bien opposition avec leur corps. Hein. Exactement. Et hop, il y a le raccord qui arrive, on va la voir arriver. Alors, qu'est-ce que oh, c'est? Oh, elle est jolie, regarde là. Très beau poisson. Ouais. Ah ouais, celle-là est belle. Celle-ci, elle oh est très, là très belle. Tu veux que je te l'attrape? Alors, elle est piquée normalement comme il faut. On va faire ça. Oh, elle est belle. Regarde ces couleurs dès qu'elle a. Les points orange sont superbes. Et voilà, une de plus. Ah, bravo. Elle a bien très, engamé très, celle-ci. Très beau poisson. Ouais, super beau poisson. Ah, c'est vraiment top, hein. je me régale, moi aussi, je pense que toi aussi, parce que c'est super agréable. Super beau. C'est vraiment magnifique poisson. Voilà, attends, parce que celle-ci, je vais regarder, est-ce qu'elle a engamé? Ouais, elle a pas mal engamé celle-ci. Donc celle-ci, on va la garder aussi, et on sera au complet pour ce soir, on aura exactement la quantité de poisson qu'il nous faut pour un exactement. Gros. Allez, c'est parti. C'est top. Voilà les crochets. Bon Benoît. Ouais Yannick. Je pense qu'il est temps qu'on rentre, non? Je pense aussi, oui. Parce que franchement, on s'est bien amusé.
Et si on ne veut pas se griller demain pour la sortie de pêche qui nous attend, cette belle sortie de pêche qui nous attend, il va falloir rentrer parce qu'en fait, le temps passe tellement vite au bord de l'eau. Et puis, il y a un truc particulier quand même, c'est que comme il ne fait jamais nuit, l'été polaire. On a vite fait de pêcher 16 ou 17 heures et de se griller pour la journée du lendemain. C'est ça. Alors moi, je te propose qu'on rentre. Allez, hein, bon, on va y aller. Tiens, bah d'ailleurs, au moment où tu dis ça, je crois qu'il y a une touche. Ah, c'est incroyable. À peine tu poses... Voir. Hop. Elle y est ? Ouais, écoute. Elle y est. Elle est là. Allez. Extra. Il tombe à point. Oh. Mais c'est sur ce poisson qu'on va partir finalement. Allez, je vais te la sortir. Mais tiens, on la voit bien arriver là. Pas très là. Grosse, moi, si elle est belle. Ouais, regarde, allez, c'est un joli poisson quand même. C'est un beau poisson. Pas le plus gros de la journée, mais c'est pas le plus gros de la journée, poisson. Mais elle est là. Allez. Hop là. Et voilà. C'est incroyable ces points qu'elle a. C'est un magnifique poisson. Moi, ce que je te propose, attention, c'était de rentrer. Donc, on va rentrer. Parce que demain, on va aller chercher le roi des poissons plats. Le fameux halibut. Oui, on sera au départ du centre de pêche demain matin. On va partir au large. Ouais. Et si on a la chance d'en capturer un, on va essayer de le sortir. Il va falloir tirer fort sur les bras. Et ouais. Peut-être se faire mal un peu. Un beau poisson, très combatif. Quel bonheur. Un grand bonheur de pouvoir atteler. On croise les doigts, on en a des frissons déjà. Oui, exactement. Ouais. Allez, on vous dit à demain, les copains. Et nous, on rentre. À demain. Ciao. À bientôt.